philosopher en temps de pandémie, en plus à Rio, au Brésil, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, philosopher en temps de pandémie, dans un pays qui connaît depuis toujours tant d'épidémies biotiques, sociales, politiques, dont les indigènes ont été et continuent d'être en grande partie tués par des épidémies, ces armes biologiques, assez anciennes d'ailleurs, qui, dès le début de la colonisation, ont été au service de la virulence brutale de la contrainte coloniale? Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, ça veut dire philosopher en temps d'une pandémie du langage, où le langage médical de la virologie a depuis des décennies contaminé la technique du langage quotidien. On peut penser aux réflexions de Victor Klemperer dans son langue Terce Impelli, et aussi comment, avec les nouvelles technologies d'information, on ne parle en fait que de virus. Plus qu'une métaphore absorbée historiquement par les cultures, par les souffrances, le langage est devenu aussi un virus. Nos ordinateurs ont des virus, les virus médiatiques sont décrits comme des menaces, des catastrophes chiliastiques. Bref, la coronation, comme l'a dit poétique ou politiquement Michel Legui, fait signe de comment la pandémie biotique est contaminée par la pandémie technomédiatique de la mondialisation. On fait opédire la pandémie et la mondialisation. Et c'est la mondialisation qui a rendu une épidémie comme celle du corona pandémique. Ça fait des années qu'il s'est fait un verbe du mot virus, viralisé, pour dire la propagation et dissémination médiatique d'une nouvelle, d'un avertissement, d'un YouTube, d'un mème, etc. On peut dire ainsi qu'on a pu voir comment la pandémie s'est elle-même viralisée, contaminée, et qu'autant que la pandémie, que les mesures antipandémiques se sont viralisées, propagées, disséminées, avec la vitesse électrique à laquelle nous sommes déjà assez habitués. C'est par rapport à cela qu'on a pu voir sans étonnement la vélocité et la facilité avec lesquelles s'est fait l'implémentation d'un état d'exception. Mais ça ne veut pas dire que la pandémie ne soit pas réelle ou qu'elle ne soit qu'un enjeu politique, comme l'a proposé d'une certaine manière un philosophe sophistiqué et bien cultivé comme Georges Agamben, ou qu'elle ne soit qu'une manipulation médiatique comme le veut un pseudo-président grotesque, ignorant et fasciste comme Bolsonaro. La contamination pandémique du langage aligne donc dans une même vision, si bien que selon deux extrêmes diverses, les philosophes contre le fascisme et le fasciste contre la philosophie. Il faut sans doute prendre au sérieux autant la pandémie réelle biotique, biologique, que la virtuelle technopolitique, mais aussi leur contamination. Il faut, il me semble, penser comment décoronaliser les discours, comme l'a bien suggéré Jérôme Lèbre, et comment comprendre la disjonction et la conjonction entre la brutalité du virus et la brutalité gestionnaire du virus, comme l'a précisé Jean-Luc Nancy. Mais surtout qu'une n'immunise pas l'autre. Les messages, les images, le même, les discours, les commentaires qui se viralisent sur la pandémie, sur quoi tout cela peut ou va apporter au futur de la vie, du capitalisme, de la planète, de la nature. Par rapport à ça, on voit osciller ou bien sauf les virus peut nous sauver, comme l'a formulé mon ami philosophe Peter Travni, ou bien la montée d'un système encore plus individualiste, encore plus à chacun de suivre, encore plus indifférent, ou bien les tournants libérateurs ou les retournants encore plus contraignants.
La pandémie est devenue le futuroscope de la fin ou bien du capitalisme, ou du monde, ou de la fin du monde. Mais quoi dire quand le système du monde, qu'on appelle mondialisation, se prend des mesures pour sauver les plus vulnérables? Il faut se demander lequel, parce qu'ils sont les plus vulnérables parmi les moins vulnérables, comme par exemple les Européens, la classe moyenne au Brésil. Tandis que dans un système, c'est-à-dire que dans un système où les humains et tous ces non-humains, les animaux, la nature, la terre, le ciel, les eaux, les déserts sont devenus redondants, remplaçables, qu'est-ce que ça veut dire de s'occuper de la santé du peuple? Qu'est-ce que ça veut dire quand le peuple même est devenu marchandise et valeur d'échange? Que dire quand on voit les Wall Street Journal parler de prioriser la solidarité aux gens, à l'économie qui se fait par les sacrifices des gens et de l'humain? Mais philosopher et où vivre en temps de pandémie, c'est philosopher où vivre en quarantaine aussi, dans un confinement. Ce n'est pas étonnant que la plupart des gens dans le monde entier s'est réclus, confinés très rapide et facilement, sans proteste. En fait, pour ceux qui ont un toit à habiter, un ordinateur ou un smartphone, il s'agit de rendre ce qui s'est devenu déjà un modus vivendi dans un modus vivendi continu et continuel. Les confinements, la quarantaine du monde obligent les gens à se confiner dans l'isolement imposé déjà par la vie ordonnée par nos ordinateurs et machines télécommunicationnelles, sauf l'interdiction d'aller au travail, c'est-à-dire aussi de faire des courses, des sorties, de voir rencontrer les gens, de voyager. Sauf ça, la vie est encore clairement ce qu'elle était déjà, c'est-à-dire un être dans et à l'écran. Sauf l'interdiction d'aller au travail. Il faut penser à ça, qu'est-ce que ça veut dire, car ça ne se rapporte pas seulement à ceux qui peuvent travailler en ligne et continuer de recevoir un salaire, ce qui peut bien être aussi un soulagement des obligations et des rapports oppressants et ennuyeux au travail. Mais ça se rapporte aux millions de gens, des mendiants et clochards inclus, qui ne peuvent pas travailler, qui sont choisis ou bien par les coronas ou par la famine, par la faim. Philosopher en temps de pandémie, rester chez soi et faire une vidéo comme celle-ci, comme on le faisait avant, c'est la même chose. Sauf que maintenant, on ne peut le faire autrement. Mais la quarantaine confinant n'oblige pas seulement de rester chez soi. Elle oblige à rentrer dans les chez-soi. On pourrait se dire que la pandémie peut, qu'elle va, qu'elle pourrait, qu'elle devrait, qu'on voudrait, qu'elle provoque une réinvention des formes communautaires, des autres valeurs en commun, des solidarités. Mais tout ça, au moins dans l'imaginaire internautique éclairé, est déjà prévu par les médiums, par la technique elle-même. Mais on pourrait se dire que la pandémie expose aussi les besoins de réinventer le chez-soi, une réinvention du lieu, car le lieu n'a plus de lieu aujourd'hui. Comment faire place au lieu qui ne soit pas l'économie dans « au lieu de ça », voilà cela. Au lieu de ces sens de lieu, on va avoir ça. Abstrait. Comment le lieu a lieu? Comment il peut avoir lieu?
Ce qu'il nous faut faire attention et comment cette rentrée dans les chez-soi est difficile. Parce qu'elle est difficile non seulement parce que nous serions privés du dehors, mais parce que nous sommes privés d'un dehors déjà complètement internalisé, privatisé, médiatisé. C'est-à-dire, nous vivons déjà dans les confinements, car nos rapports sont déjà rapports à distance, de rapports sans rapport, parce que ce n'est pas ça le capitalisme. De quoi nous nous éloignons, sinon de cet éloignement? Est-ce que cette négation de la négation est-elle une nouvelle positivité? Une nouvelle chez soi, un nouveau foyer? Ou serait-elle un redoublement de l'isolement? On isole l'isolement. En fait, pour créer, pour lire, pour jouer, pour écrire, pour méditer, pour entendre, il ne faut seulement pas un lieu de retrait. La ville pour un Socrate, les monastères pour un prieur, une poêle pour les philosophes, un ordinateur pour les poètes contemporains. Mais il faut encore les transits entre l'ouvert et le fermé. Il faut encore le passage. Il faut un seuil. C'est le seul seuil qui nous en fait défaut. Les frontières se ferment. Sans tour et sans tourisme, les écologistes montrent les avantages de la pandémie pour la vie, c'est-à-dire les avantages pour la vie du grime de l'insurrection, comme Schelling a défini le mal de la vie contre la vie et ses avantages. Ce qui promet diminuer la pollution, le stress de la nature, les malaises de la vie. Mais en même temps, tout ça se fait comme légitimité d'une politique d'exclusion aussi. Car en Europe, par exemple, il faut en même temps se protéger contre la pandémie des réfugiés, elle-même sans nom scientifique. Les gouvernements de droite de la Norvège revitalisent la politique des droites pour protéger son peuple en les gardant chez soi, en fermant toutes les frontières, les aéroports. C'est l'Europe aussi. Les gouvernements, l'urgente demande d'un lieu pour le lieu, qui apparaît un peu partout, risque donc d'être très vite nationalisé, territorialisé, de suivre la logique de la propriété privée, elle-même colonisatrice de soi-même, celle que se définit par des impropres exclusions, expulsions tous les temps. Dans une mégalopole comme Rio, les quartiers se ferment, les travailleurs ne peuvent pas aller au travail, c'est-à-dire ils se sont confinés, pas au chez-soi, mais plutôt à la famine. En même temps, que la séparation encore plus acérée entre les gens du haut, qui ici à Rio veut bien dire les favelas, les gens pauvres, et les gens du bas, qui ici à Rio veut aussi dire les gens, les classes moyennes et les plus riches qui habitent au niveau de la mer. Cette séparation plus acérée, elle peut paradoxalement interdire ne pas permettre un multicide, comme criait l'autre jour un mendiant dans la rue. Peut-être il voudrait suggérer une traduction de pandémie par multicide quand il criait dans la rue, pour la rue, qu'il avait en panique que le virus rentre les favelas, parce que cela signifierait un multicide, les crimes contre la multitude.
pas la mort de plusieurs, pas le pandémonium, mais le crime contre la multiplicité elle-même. En écoutant sa voix criant les mots mouticides dans une rue rendue déserte par la quarantaine dans les quartiers où j'habite ici, les mots pain, son concept, ses formules, est devenu aussi une question. Qu'est-ce que le pain de la pandémie? Est-ce que le pain est la même chose que global, mondial, planétaire? Est-ce que pain est la même chose que totalité, totalisation, totalitaire? Hen kai pan, all einheit, la devise romantique de Jacobi et Goethe, de Hölderlin, Schelling et Hegel. Qu'est-ce que ça veut dire? Pan, que Heidegger, en être temps, insiste qu'il faudra distinguer de totum, le tout total, en traduisant pan sous l'inspiration de Roussel par compositum, composition. Composition, c'est pas composition qu'on pourrait bien traduire aussi le mot allemand Gestell, composition, c'est-à-dire la technique du capitalisme qu'on appelle mondialisation surtout aujourd'hui. Mais en tout cela, il y a quand même, malgré tout, ce qu'on appelle nature, les corps pleins de corps d'autant du monde. Il y a les souvenirs de ce vieux, aussi les souvenirs de ce vieux dieu Pan, que Schelling, dans sa philosophie de la révélation, a défini comme un silence, le silence panique, qui a lieu lorsque la nature entière se transmute et à l'instant même de cette mutation de la nature entière, tout dans la nature rentre en silence, dans le silence de cet instant. Pan est le lieu, dit Schelling, de ce lieu d'une demeure en silence dans cet instant que ouvre à l'autre l'autre. Peut-être les souvenirs de ces mots divins, Pan, peut nous parler d'un instant désaccélérant de la hâte tantalique du mal. Peut-être le souvenir de ce mot peut nous parler d'un silence, le silence panique, où on est d'un instant du seuil d'un passage. L'heure que Julio Cortázar, le grand écrivain argentin, a décrit une fois avec les mots suivants. Es ahora que puede llegar alguna vez fuera de toda hora, agujero en la red del tiempo. Esa manera de estar entre, non por encima o detrás, sino entre. Es ahora orificio a la que se accede al socar de las otras horas, de la incontable vida con sus horas de frente y de lado, su tiempo para cada cosa, sus cosas con el preciso tiempo. Cette heure-ci, que peut arriver une fois hors de toutes heures, trouve dans le réseau du temps cette manière d'être non au-dessous ou derrière, mais entre, cette heure orifice, où on accède au seuil des autres heures de la vie incontable, avec ses heures devant et à côté, leur temps pour chaque chose, ces choses dans les temps précis. Qu'est-ce que cette heure veut nous dire?